Un philosophe sous les toits. À Madame Nadine Souvestre. Avant-propos. Nous connaissons un homme qui, au milieu de la fièvre de changement et d'ambition qui travaille notre société, a continué d'accepter sans révolte son humble rôle dans le monde et a conservé, pour ainsi dire, le goût de la pauvreté. Sans autre fortune qu'une petite place, dont il vit sur les étroites limites qui séparent l'aisance de la misère, notre philosophe regarde, du haut de sa mansarde, la société comme une mer dont il ne souhaite point les richesses et dont il ne craint pas les naufrages. Tenant peu de place pour exciter l'envie de personne, il dort tranquillement enveloppé dans son obscurité. Non qu'il se soit retiré dans l'égoïsme comme la tortue dans sa cuirasse, c'est l'homme de Terence qui ne se croit étranger à rien de ce qui est humain. Tous les objets et tous les incidents du dehors se réfléchissent en lui ainsi que dans une chambre obscure où il décalque leur image. Il regarde la société en lui-même avec la patience curieuse des solitaires et il écrit pour chaque mois le journal de ce qu'il a vu ou pensé. C'est le calendrier de ses sensations, ainsi qu'il a coutume de le dire. Admis à le feuilleter, nous en avons détaché quelques pages qui pourront faire connaître au lecteur les vulgaires aventures d'un penseur ignoré dans ces 12 hôtelleries du temps qu'on appelle les mois. Chapitre 1. Les étrennes de la mansarde. 1er janvier. Cette date me vient à la pensée dès que je m'éveille. Encore une année qui s'est détachée de la chaîne des âges pour tomber dans l'abîme du passé. La foule s'empresse de fêter sa jeune sœur, mais, tandis que tous les regards se portent en avant, les miens se retournent en arrière. On sourit à la nouvelle reine, et malgré moi, je songe à celle que le temps vient d'envelopper dans son linceul. Celle-ci, du moins, je sais ce qu'elle était, ce qu'elle m'a donné, tandis que l'autre se présente entourée de toutes les menaces de l'inconnu. Que cache-t-elle dans les nuées qui l'enveloppent? Est-ce l'orage ou le soleil? Provisoirement, il pleut, et je sens mon âme embrumée comme l'horizon. J'ai congé aujourd'hui, mais que faire d'une journée de pluie? Je parcours ma mansarde avec humeur, et je me décide à allumer mon feu. Malheureusement, les allumettes prennent mal, la cheminée fume, et le bois s'éteint. Je jette là mon soufflet avec dépit, et je me laisse tomber dans mon vieux fauteuil. En définitive, pourquoi me réjouirais-je de voir naître une nouvelle année? Tous ceux qui courent déjà dans les rues, l'air endimanché, le sourire sur les lèvres, comprennent-ils ce qui les rend joyeux? Savent-ils seulement ce que signifie cette fête et d'où vient l'usage des étrennes? Ici, mon esprit s'arrête pour se constater à lui-même sa supériorité sur l'esprit vulgaire. J'ouvre une parenthèse dans ma mauvaise humeur en faveur de ma vanité et je réunis toutes les preuves de ma science. Les premiers Romains ne partageaient l'année qu'en 10 mois. Ce fut Numa Pompilius qui ajouta janvier et février. Le premier tira son nom de Janus, auquel il fut consacré. Comme il ouvrait le nouvel an, on entoura son commencement d'heureux présages, et de là vint la coutume des visites entre voisins, des souhaits de prospérité, des étrennes. Les présents usités chez les Romains étaient symboliques. On offrait des figues sèches, des dattes, des rayons de miel, comme emblème de la douceur des auspices sous lesquels l'année devait commencer son cours, et une petite pièce de monnaie nommée stips, qui présageait la richesse. Là, je ferme la parenthèse pour reprendre ma disposition maussade. Le petit speech que je viens de m'adresser m'a rendu content de moi et plus mécontent des autres. Je déjeunerai bien pour me distraire, mais la portière a oublié mon lait du matin et le pot de confiture est vide. Un autre serait contrarié. Moi, j'affecte la plus superbe indifférence. Il reste un croûton durci que je brise à force de poignets et que je grignote nonchalamment comme un homme bien au-dessus des vanités du monde et des pains mollets. Cependant, je ne sais pourquoi mes idées s'assombrissent en raison des difficultés de la mastication.
J'ai lu autrefois l'histoire d'un Anglais qui s'était pendu parce qu'on lui avait servi du thé sans sucre. Il y a des heures dans la vie où la contrariété la plus futile prend des proportions d'une catastrophe. Notre humeur ressemble aux lunettes de spectacle qui, selon le bout, montrent les objets moindres ou agrandis. Habituellement, la perspective qui s'ouvre devant ma fenêtre me ravit. C'est un chevauchement de toits dont les cimes s'entrelacent, se croisent, se superposent et sur lesquels de hautes cheminées dressent leurs pitons. Hier encore, je leur trouvais un aspect alpestre et j'attendais la première neige pour y voir des glaciers. Aujourd'hui, je n'aperçois que des tuiles et des tuyaux de poêle. Les pigeons m'aidaient à mes illusions agrestes. Il ne me semble plus que de misérables volatiles qui ont pris les toits pour basse-cour. La fumée qui s'élève en légers flocons, au lieu de me faire songer aux soupiraux du Vésuve, me rappelle les préparations culinaires et l'eau de vaisselle. Enfin, le télégraphe que j'aperçois de loin sur la vieille tour de Montmartre me fait l'effet d'une ignoble potence dont le bras se dresse au-dessus de la cité. Ainsi, blessé de tout ce qu'il rencontre, mes regards s'abaissent sur l'autel qui fait face à ma mansarde. L'influence du premier de l'an s'y fait visiblement sentir. Les domestiques ont un air d'empressement qui se proportionne à l'importance des étrennes reçues ou à recevoir. Je vois le propriétaire traversant la cour avec la mine morose que donnent les générosités forcées. Et les visiteurs se multiplient, suivis de commissionnaires qui portent des fleurs, des cartons ou des jouets. Tout à coup, la grande porte cochère est ouverte. Une calèche neuve traînée par des chevaux de race s'arrête au pied du perron. Ce sont sans doute les étrennes offertes par le mari à la maîtresse de l'hôtel. Car elle vient elle-même examiner le nouvel équipage. Elle y monte bientôt avec une petite fille ruisselante de dentelles, de plumes, de velours et chargée de cadeaux qu'elle va distribuer en étrennes. La portière est refermée, les glaces se lèvent, la voiture part. Ainsi, tout le monde fait aujourd'hui un échange de bons désirs des deux présents. Moi seul, je n'ai rien à donner ni à recevoir. Pauvre solitaire, je ne connais pas même un être préféré pour lequel je puisse former des vœux. Que mes souhaits d'heureuses années aillent donc chercher tous les amis inconnus, perdus dans cette multitude qui bruit à mes pieds. À vous d'abord, ermite des cités, pour qui la mort et la pauvreté ont fait une solitude au milieu de la foule. Travailleurs mélancoliques condamnés à manger, dans le silence et l'abandon, le pain gagné chaque jour, et que Dieu a sevré des enivrantes angoisses de l'amour ou de l'amitié. À vous, rêveurs émus qui traversez la vie, les yeux tournés vers quelque étoile polaire, marchant avec indifférence sur les riches moissons de la réalité. À vous, brave père qui prolongez la veille pour nourrir la famille, pauvres veuves pleurant et travaillant auprès d'un berceau, jeunes hommes acharnés à vous ouvrir dans la vie une route assez large pour y conduire par la main une femme choisie. À vous tous, vaillants soldats du travail et du sacrifice. À vous enfin, quel que soit votre titre et votre nom, qui aimez ce qui est beau, qui avez pitié de ceux qui souffrent, et qui marchez dans le monde comme la Vierge symbolique de Byzance, les deux bras ouverts au genre humain. Ici, je suis subitement interrompu par des pépiments toujours plus nombreux et plus élevés. Je regarde autour de moi, ma fenêtre est entourée de moineaux qui picorent les miettes de pain que, dans ma méditation distraite, je viens dégrainer sur le toit. À cette vue, un éclair de lumière traverse mon cœur attristé. Je me trompais tout à l'heure, en me plaignant de n'avoir rien à donner. Grâce à moi, les moineaux du quartier auront leurs étrennes. Midi. On frappe à ma porte, une pauvre fille entre et me salue par mon nom. Je ne la reconnais point au premier abord, mais elle me regarde, sourit. « Ah, c'est Paulette !» Mais depuis près d'une année, je ne l'avais pas vue. Paulette n'est plus la même. L'autre jour, c'était une enfant. Aujourd'hui, c'est presque une jeune fille. Paulette est maigre, pâle, misérablement vêtue. Mais c'est toujours le même œil, bien ouvert, et regardant droit devant lui. La même bouche, souriant à chaque mot, comme pour solliciter votre amitié.
la même voix, un peu timide et pourtant caressante. Paulette n'est point jolie, elle passe même pour laide, mais je la trouve charmante. Peut-être n'est-ce point à cause de ce qu'elle est, mais à cause de moi, Paulette m'apparaît à travers un de mes meilleurs souvenirs. C'était le soir d'une fête publique. Les illuminations faisaient courir leurs cordons de feu le long de nos monuments. 1000 banderoles flottaient au vent de la nuit. Les feux d'artifice venaient d'allumer leurs gerbes de flammes au milieu du Champ de Mars. Tout à coup, une de ces inexplicables terreurs qui frappent de folie les multitudes s'abat sur les rangs pressés. On crie, on se précipite. Les plus faibles trébuchent et la foule égarée les écrase sous ses pieds convulsifs. Échappé par miracle à la mêlée, j'allais m'éloigner. Lorsque les cris d'une enfant près de périr me retiennent, je rentre dans ce chaos humain et, après des efforts inouïs, j'en retire Paulette au péril de ma vie. Il y a 2 ans de cela. Depuis, je n'avais revu la petite qu'à de longs intervalles et je l'avais presque oubliée. Mais Paulette a la mémoire des bons cœurs. Elle vient au renouvellement de l'année m'offrir ses souhaits de bonheur. Elle m'apporte, en outre, un plant de violette en fleurs. Elle-même l'a mise en terre et cultivée. C'est un bien qui lui appartient tout entier, car il a été conquis par ses soins, sa volonté, sa patience. Le violier a fleuri dans un vase grossier, et Paulette, qui est cartonnière, l'a enveloppé d'un cache-pot en papier verni embelli d'arabesques. Les ornements pourraient être de meilleur goût, mais on y sent la bonne volonté attentive. Ce présent inattendu, la rougeur modeste de la petite fille et son compliment balbutié dissipent comme un rayon de soleil l'espèce de brouillard qui m'enveloppait le cœur. Mes idées passent brusquement des teintes plombées du soir aux teintes plus roses de l'aurore. Je fais asseoir Paulette et je l'interroge gaiement. La petite répond d'abord par des monosyllabes. Mais bientôt les rôles sont renversés et c'est moi qui entrecoupe de courtes interjections ses longues confidences. La pauvre enfant mène une vie difficile. Orpheline depuis longtemps, elle est restée avec son frère et sa sœur à la charge d'une vieille grand-mère qui les a élevés de misère, comme elle a coutume de le dire. Cependant, Paulette l'aide maintenant dans la confection des cartonnages. Sa petite sœur Perrine commence à coudre et Henri est apprenti dans une imprimerie. Tout irait bien sans les pertes et sans les chômages, sans les habits qui s'usent, sans les appétits qui grandissent, sans l'hiver qui oblige à acheter son soleil. Paulette se plaint de ce que la chandelle dure trop peu et de ce que le bois coûte trop cher. La cheminée de leur mansarde est si grande qu'une falourde y produit l'effet d'une allumette. Elle est si près du toit que le vent y renvoie la pluie et qu'on y gèle sur l'âtre en hiver. Aussi y ont-ils renoncé. Tout se borne désormais à un réchaud de terre sur lequel cuit le repas. La grand-mère avait bien parlé d'un poêle marchandé chez le revendeur du rez-de-chaussée, mais celui-ci en a voulu 7 francs. Et les temps sont trop difficiles pour une pareille dépense. La famille s'est en conséquence résignée à avoir froid par économie. À mesure que Paulette parle, je sens que je sors de plus en plus de mon abattement chagrin. Les premières révélations de la petite cartonnière ont fait naître en moi un désir qui est bientôt devenu un projet. Je l'interroge sur ses occupations de la journée et elle m'apprend qu'en me quittant, elle doit visiter avec son frère, sa sœur et sa grand-mère les différentes pratiques auxquelles ils doivent leur travail. Mon plan est aussitôt arrêté. J'annonce à l'enfant que j'irai la voir dans la soirée et je la congédie en la remerciant de nouveau. Le violier a été posé sur la fenêtre ouverte où un rayon de soleil lui souhaite la bienvenue. Les oiseaux gazouillent alentour. L'horizon s'est éclairci et le jour qui s'annonçait si triste est devenu radieux. Je parcours ma chambre en chantant, je m'habille à la hâte, je sors. 3 heures. Tout est convenu avec mon voisin, le fumiste. Il répare le vieux poêle que j'avais remplacé et me répond de le rendre tout neuf. À 5 heures, nous devons partir pour le poser chez la grand-mère de Paulette. Minuit.
tout s'est bien passé. Alors dites, j'étais chez la vieille cartonnière, encore absente. Mon pied montait à dresser le poêle, tandis que j'arrangeais dans la grande cheminée une douzaine de bûches empruntées à ma provision d'hiver. J'en serais quitte pour m'échauffer en me promenant ou me coucher plus tôt. À chaque pas qui retentit dans l'escalier, j'ai un battement de cœur. Je tremble que l'on ne m'interrompt dans mes préparatifs et que l'on ne me gâte ainsi ma surprise. Mais non, voilà que tout est en place. Le poêle allumé ronfle doucement. La petite lampe brille sur la table et la burette d'huile a pris sa place sur l'étagère. Le fumiste est reparti. Cette fois, ma crainte qu'on arrive s'est transformée en impatience de ce qu'on n'arrive pas. Enfin, j'entends la voix des enfants. Les voici qui poussent la porte et qui se précipitent, mais tous s'arrêtent avec des cris d'étonnement à la vue de la lampe, du poêle et du visiteur qui se tient comme un magicien au milieu de ces merveilles. Ils reculent presque effrayés. Paulette est la première à comprendre. L'arrivée de la grand-mère, qui a monté moins vite, achève l'explication. Attendrissement, transport de joie, remerciement. Mais les surprises ne sont point finies. La jeune sœur ouvre le four et découvre les marrons qui achèvent de griller. La grand-mère vient de mettre la main sur les bouteilles de cidre qui garnissent le buffet. Et je retire du panier que j'ai caché une langue fourrée, un coin de beurre et des pains frais. Cette fois, l'étonnement devient de l'admiration. La petite famille n'a jamais assisté à un pareil festin. On met le couvert, on s'assoit, on mange. C'est fête complète pour tous, et chacun y contribue pour sa part. Je n'avais apporté que le souper. La cartonnière et ses enfants fournissent la joie. Que d'éclats de rire sans motif. Quelle confusion de demandes qui n'attendent point les réponses, de réponses qui ne correspondent à aucune demande. La vieille femme elle-même partage la folle gaieté des petits. J'ai toujours été frappé de la facilité avec laquelle le pauvre oubliait sa misère. Accoutumé à vivre du présent, il profite du plaisir dès qu'il se présente. Le riche, blasé par l'usage, se laisse gagner plus difficilement. Il lui faut plus de temps et toutes ses aises pour consentir à être heureux. La soirée s'est passée comme un instant. La vieille femme m'a raconté sa vie, tantôt souriant, tantôt essuyant une larme. Perrine a chanté une ronde d'autrefois avec sa voix fraîche et enfantine. Henri, qui porte des épreuves aux écrivains célèbres de l'époque, nous a dit ce qu'il en savait. Enfin, il a fallu se séparer, non sans de nouveaux remerciements de la part de l'heureuse famille. Je suis revenu à petits pas, savourant à plein cœur les purs souvenirs de cette soirée. Elle a été pour moi une grande consolation et un grand enseignement. Maintenant, les années peuvent se renouveler. Je sais que nul n'est assez malheureux pour n'avoir rien à recevoir ni rien à donner. Comme je rentrais, je rencontrais le nouvel équipage de mon opulente voisine. Celle-ci, qui revient aussi de soirée, a franchi le marchepied avec une impatience fébrile. Et je l'ai entendu murmurer « Enfin !» En quittant la famille de Paulette, moi, j'avais dit « Déjà !» Chapitre 2, le carnaval. 20 février. Quelle rumeur au dehors! Pourquoi ces cris d'appel et ces huées? Ah, je me rappelle, nous sommes au dernier jour du carnaval. Ce sont les masques qui passent. Le christianisme n'a pu abolir les bacchanales des anciens temps, il en a changé le nom. Celui qu'il a donné à ses jours libres annonce la fin des banquets et le mois d'abstinence qui doit suivre. Carnaval signifie mot à mot « chair à bas ». C'est un adieu de 40 jours aux benoîtes poulardes et gras jambons tant célébrés par le chantre de Pantagruel. L'homme se prépare à la privation par la satiété, et achève de se damner avant de commencer à faire pénitence. Pourquoi, à toutes les époques et chez tous les peuples, retrouvons-nous quelques-unes de ces fêtes folles? Faut-il croire que, pour les hommes, la raison est un effort dont les plus faibles ont besoin de se reposer par instant? Condamnés au silence d'après leurs règles, les trappistes
recouvre une fois par mois la parole. Et ce jour-là, tous parlent en même temps, depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Peut-être en est-il de même dans le monde. Obligés toute l'année à la décence, à l'ordre, au bon sens, nous nous dédommageons pendant le carnaval d'une longue contrainte. C'est une porte ouverte aux velléités incongrues, jusqu'alors refoulées dans un coin de notre cerveau. Comme au jour des Saturnales, les esclaves deviennent pour un instant les maîtres, et tout est abandonné aux folles de la maison. Les cris redoublent dans le carrefour. Les troupes de masques se multiplient à pied, en voiture ou à cheval. C'est à qui se donnera le plus de mouvement pour briller quelques heures, pour exciter la curiosité ou l'envie. Puis demain, tous reprennent, tristes et fatigués, l'habit et les tourments d'hier. Hélas, pensais-je avec dépit, chacun de nous ressemble à ses masques. Trop souvent, la vie entière n'est qu'un déplaisant carnaval. Et cependant, l'homme a besoin de fêtes qui détendent son esprit, reposent son corps, épanouissent son âme. Ne peut-il donc les rencontrer en dehors des joies grossières? Les économistes cherchent depuis longtemps le meilleur emploi de l'activité du genre humain. Ah, si je pouvais seulement découvrir le meilleur emploi de ses loisirs! On ne manquera pas de lui trouver des labeurs. Qui lui trouvera des délassements? Le travail fournit le pain de chaque jour, mais c'est la gaieté qui lui donne de la saveur. Ô philosophe, mettez-vous en quête de plaisir. Trouvez-nous des divertissements sans brutalité, des jouissances sans égoïsme. Inventez enfin un carnaval qui soit plaisant à tous, à tout le monde et qui ne fasse honte à personne. 3 heures. Je viens de refermer ma fenêtre. J'ai ranimé mon feu. Puisque c'est fête pour tout le monde, je veux que ce le soit aussi pour moi. J'allume la petite lampe sur laquelle, au grand jour, je prépare une tasse de ce café que le fils de ma portière m'a rapporté du Levant. Et je cherche dans ma bibliothèque un de mes auteurs favoris. Voici d'abord l'amusant curé de Meudon. Oh, mais ces personnages parlent trop souvent le langage des Halles. Voltaire. Mais en raillant toujours les hommes, il les décourage. Molière. Ah, il vous empêche de rire à force de vous faire penser. Le sage. Arrêtons-nous à lui. Profond plutôt que grave. Il prêche la vertu en faisant rire des vices. Si l'amertume est parfois dans l'inspiration, elle s'enveloppe toujours de gaieté. Il voit les misères du monde sans les mépriser, et connaît ses lâchetés sans le haïr. Appelons ici tous les héros de son œuvre, Gil Blas, Fabrice, Sangrado, l'archevêque de Grenade, le duc de Lerme, Aurore, Scipion. Plaisante ou gracieuse image, surgissez devant mes yeux, peuplez ma solitude, transportez-y pour mon amusement ce carnaval du monde dont vous êtes les masques brillants. Par malheur, au moment même où je fais cette invocation, je me rappelle une lettre à écrire qui ne peut être retardée. Un de mes voisins de mansarde est venu me la demander hier. C'est un petit vieillard allègre qui n'a d'autre passion que les tableaux et les gravures. Il rentre presque tous les jours avec quelques cartons ou quelques toiles, de peu de valeur sans doute, car je sais qu'il vit chétivement, et la lettre même que je dois rédiger pour lui prouve sa pauvreté. Son fils unique, marié en Angleterre, vient de mourir, et la veuve, restée sans ressources avec une vieille mère et un enfant, lui avait écrit pour demander asile. Monsieur Antoine m'a prié d'abord de traduire la lettre, puis de répondre par un refus. J'avais promis cette réponse aujourd'hui. Remplissons avant tout notre promesse. La feuille de papier batte est devant moi. J'ai trempé ma plume dans l'encrier et je me gratte le front pour provoquer l'éruption des idées. Quand je m'aperçois que mon dictionnaire me manque. Or, un Parisien qui veut parler anglais sans dictionnaire ressemble au nourrisson dont on a détaché les lisières. Le sol tremble sous lui et il trébuche au premier pas.
Je cours donc chez le relieur auquel a été confié mon Johnson. Il demeure précisément sur le carré. La porte est entrouverte. J'entends de sourdes plaintes. J'entre sans frapper et j'aperçois l'ouvrier devant le lit de son compagnon de chambré. Ce dernier a une fièvre violente et du délire. Pierre le regarde d'un air de mauvaise humeur, embarrassé. J'apprends de lui que son pays n'a pu se lever le matin et que depuis il s'est trouvé plus mal d'heure en heure. Je demande si on a fait venir un médecin. « Ah ben oui, » répond Pierre brusquement, « faudrait avoir pour ça de l'argent de poche et le pays n'a que des dettes pour économie. »« Mais vous, » dis-je, un peu étonné, « n'êtes-vous point son ami ?»« Une minute, » interrompt le relieur. « Ami comme le limonier est ami du porteur à condition que chacun tirera la charrette pour son compte et mangera à part son picotin. » « Mais vous ne comptez point pourtant le laisser privé de soins ?»« Bah, il peut garder tout le lit jusqu'à demain, hein, vu que je suis au bal. »« Vous le laissez seul ?»« Bah, faudrait-il donc manquer une descente de courtille parce que le pays a la tête brouillée ?» demande Pierre aigrement. « J'ai un rendez-vous avec les autres chez le père des Noyers. Ceux qui ont mal au cœur n'ont qu'à prendre de la réglisse. Ma tisane à moi, c'est le petit blanc. » En parlant ainsi, il dénoue un paquet dont il retire un costume de débardeur et il procède à son travestissement. Je m'efforce en vain de le rappeler à des sentiments de confraternité pour le malheureux qui gémit là près de lui. Tout entier, à l'espérance du plaisir qui l'attend, Pierre m'écoute avec impatience. Enfin, poussé à bout par cet égoïsme brutal, je passe des remontrances aux reproches. Je le déclare responsable des suites que peut avoir pour le malade un pareil abandon. Cette fois, le relieur qui va partir s'arrête. « Mais tonnerre, que voulez-vous que je fasse » s'écrie-t-il en frappant du pied. « Est-ce que je suis obligé de passer mon carnaval à faire chauffer des bains de pied par hasard ?»« Mais vous êtes obligé de ne pas le laisser mourir un camarade sans secours, lui dis-je. »« Mais qu'il aille à l'hôpital alors ?»« Et seul, comment le pourrait-il » Pierre fait un geste de résolution. « Bon, eh bien, je vais le conduire, » reprend-il. « Aussi bien j'aurais tôt fait de m'en débarrasser. Allons, debout, pays !» Il secoue son compagnon, qui n'a point quitté ses vêtements. Je fais observer qu'il est trop faible pour marcher, mais le relieur n'écoute pas. Il le force à se lever, l'entraîne en le soutenant, et arrive à la loge du portier, qui court chercher un fiacre. J'y vois monter le malade, presque évanoui, avec le débardeur impatient. Et tous deux partent, l'un pour mourir peut-être, l'autre pour dîner à la courtille. 6 heures. Je suis allé frapper chez le voisin qui m'a ouvert lui-même et auquel j'ai remis la lettre enfin terminée et destinée à la veuve de son fils. Monsieur Antoine m'a remercié avec effusion et m'a obligé à m'asseoir. C'était la première fois que j'entrais dans la mansarde du vieil armateur. Une tapisserie tachée par l'humidité dont les lambeaux pendent çà et là, un poêle éteint, un lit de sangle, deux chaises dépaillées en composent tout l'ameublement. Au fond, on aperçoit un grand nombre de cartons entassés de toiles sans cadre tournées contre le mur. Au moment où je suis entré, le vieillard était à table, dînant avec quelques croûtes de pain dur qu'il trempait dans un verre d'eau sucrée. Il s'est aperçu que mon regard s'arrêtait sur ce menu d'anachorète et a un peu rougi. « Mon souper n'a rien qui vous tente, voisin » a-t-il dit en souriant. J'ai répondu que je le trouvais au moins bien philosophique pour un souper de carnaval. Monsieur Antoine a hoché la tête et s'est remis à table. « Chacun fête les grands jours à sa manière », a-t-il repris en recommençant à plonger un croûton dans son verre. « Il y a des gourmets de plusieurs genres, et tous les régals ne sont point destinés à flatter le palais. Il en existe aussi pour les oreilles et pour les yeux. » J'ai regardé involontairement autour de moi, comme si j'eusse cherché l'invisible festin qui pouvait le dédommager d'un pareil souper. Il m'a compris sans doute, car il s'est levé avec la lenteur magistrale d'un homme sûr de ce qu'il va faire. Il a fouillé derrière plusieurs cadres, en a tiré une toile sur laquelle il a passé la main et qu'il est revenu placer silencieusement sous la lumière de la lampe. Elle représentait un beau vieillard qui, assis à table avec sa femme, sa fille et ses enfants, chantent, accompagnés par des musiciens qu'on aperçoit derrière.
J'ai reconnu au premier aspect cette composition que j'avais souvent admirée au Louvre, et j'ai déclaré que c'était une magnifique copie de Jordaens. « Une copie ?» s'est écrié M. Antoine. « Dit un original voisin, et un original retouché par Rubens. Voyez plutôt la tête du vieillard, la robe de la jeune femme et les accessoires. On pourrait compter les coups de pinceau de l'Hercule du coloris. Et ce n'est point seulement un chef-d'œuvre, monsieur, c'est un trésor, une relique. La toile du Louvre passe pour une perle, celle-ci est un diamant. » Et, l'appuyant au poil de manière à la placer dans son meilleur jour, il s'est remis à tremper ses croûtes, sans quitter de l'œil le merveilleux tableau. On eût dit que sa vue leur communiquait une délicatesse inattendue. Il les savourait lentement et vidait son verre à petits coups. Ses traits ridés s'étaient épanouis, ses narines se gonflaient. C'était bien ainsi qu'il l'avait dit lui-même, un festin du regard. « Vous voyez que j'ai aussi ma fête, » a-t-il repris en branlant la tête d'un air de triomphe. « D'autres vont courir les restaurants et les bals. Moi, voilà le plaisir que je me suis donné pour mon carnaval. » Mais si cette toile est véritablement si précieuse, ai-je répondu, elle doit avoir un haut prix. « Ah ouais !» m'a dit M. Antoine d'un ton de nonchalance orgueilleuse. « Dans un bon temps et avec un bon amateur, cela peut valoir quelque chose comme 20 000 francs. » J'ai fait un soubresaut en arrière. « Et vous l'avez acheté ?» me suis-je écrié. « Ah, pour rien » a-t-il répondu en baissant la voix. « Ces brocanteurs sont des ânes. Le mien a pris ceci pour une copie d'élève. Il me l'a laissé à 50 louis payé comptant. Ce matin, je les lui ai apportés et maintenant il voudrait en vain se dédire. » « Ce matin, ai-je répété, en reportant involontairement mes regards sur la lettre de refus que M. Antoine m'avait fait écrire à la veuve de son fils et qui était encore sur la petite table. Il n'a point pris garde à mon exclamation et a continué à contempler l'œuvre de Jordaens dans une sorte d'extase. « Quelle science de clair-obscur » murmurait-il en grignotant sa dernière croûte avec délice. Quel relief, quel feu! Où trouve-t-on cette transparence de teinte, cette magie de reflet, cette force, ce naturel? Et, comme je l'écoutais immobile, il a pris mon étonnement pour de l'admiration, et il m'a frappé sur l'épaule. « Vous êtes ébloui !» s'est-il écrié avec gaieté. « Vous ne vous attendiez pas à un pareil trésor. Que dites-vous de mon marché ?»« Pardon !» ai-je répliqué sérieusement. « Mais je crois que vous auriez pu le faire meilleur. » Monsieur Antoine a dressé la tête. « Comment cela » s'est-il écrié. « Me croiriez-vous un homme à me tromper sur le mérite d'une peinture ou sur sa valeur ?»« Ah, je ne doute ni de votre goût ni de votre science, mais je ne puis m'empêcher de penser que, pour le prix de la toile qui vous représente ce repas de famille, vous auriez pu avoir quoi donc ? La famille elle-même, monsieur. Le vieil amateur m'a jeté un regard, non de colère, mais de dédain. Évidemment, je venais de me révéler à lui pour un barbare incapable de comprendre les arts et indigne d'en jouir. Il se levait sans répondre. Il a pris brusquement le Jordaens et il est allé le reporter dans sa cachette derrière les cartons. C'était une manière de me congédier. J'ai salué et je suis sorti. 7 heures. Rentré chez moi, je trouve mon eau qui bout sur ma petite lampe. Je me mets à moudre le moka et je dispose ma cafetière. La préparation de son café est pour un solitaire l'opération domestique la plus délicate et la plus attrayante. C'est le grand œuvre des ménages de garçons. Le café tient, pour ainsi dire, le milieu entre la nourriture corporelle et la nourriture spirituelle. Il agit agréablement tout à la fois sur les sens et sur la pensée. Son arôme seul donne à l'esprit je ne sais quelle activité joyeuse.
C'est un génie qui prête ses ailes à notre fantaisie et l'emporte au pays des mille et une nuits. Quand je suis plongé dans mon vieux fauteuil, les pieds en espalier devant un feu flambant, l'oreille caressée par le gazouillement de la cafetière qui semble causer avec mes chenets, l'odorat doucement excité par les effluves de la fève arabique, et les yeux à demi voilés sous mon bonnet rabattu, il me semble souvent que chaque flocon de la vapeur odorante prend une forme distincte. J'y vois tour à tour, comme dans les mirages du désert, les différentes images dont mes souhaits voudraient faire des réalités. D'abord, la vapeur grandit, se colore, et j'aperçois une maisonnette au penchant d'une colline. Derrière s'étend un jardin enclos d'aubépines et que traverse un ruisseau au bord duquel j'entends bourdonner les ruches. Puis le paysage grandit encore. Voici des champs plantés de pommiers où je distingue une charrue attelée qui attend son maître. Plus loin, au coin du bois qui retentit des coups de la cognée, je reconnais la hutte du sabotier, recouverte de gazon et de copeaux. Et au milieu de tous ces tableaux rustiques, il me semble voir comme une représentation de moi-même qui flotte et qui passe. C'est mon fantôme qui se promène dans mon rêve. Les bouillonnements de l'eau près de déborder m'obligent à interrompre cette méditation pour remplir la cafetière. Je me souviens alors qu'il ne me reste plus de crème. Je décroche ma boîte de fer-blanc et je descends chez la laitière. La mère Denis est une robuste paysanne venue toute jeune de Savoie et qui, contrairement aux habitudes de ses compatriotes, n'est point retournée au pays. Elle n'a ni mari ni enfant, malgré le titre qu'on lui donne. Mais sa bonté, toujours en éveil, lui a mérité ce nom de mère. Vaillante créature abandonnée dans la mêlée humaine, elle s'y est faite son humble place en travaillant, en chantant, en secourant et laissant faire le reste à Dieu. Dès la porte de la laitière, j'entends de longs éclats de rire. Dans un coin de la boutique, trois enfants sont assis par terre. Ils portent le costume enfumé des petits savoyards et tiennent à la main de longues tartines de fromage blanc. Le plus jeune s'en est barbouillé jusqu'aux yeux, et c'est là le motif de leur gaieté. La mère Denis me les montre. « Voyez-moi ces innocents, comme ça se régale, » dit-elle en passant la main sur la tête du petit gourmand. Il n'avait pas déjeuné, fait observer son camarade pour l'excuser. Pauvre créature, dit la laitière, ça est abandonné sans défense sur le pavé de la grande ville, où ça n'a plus d'autre père que le bon Dieu. Et c'est pourquoi vous leur servez de mère, ai-je répliqué doucement. Ah, ce que je fais bien peu, a dit la mère Denis en mesurant mon lait. Mais tous les jours, j'en ramasse quelques-uns dans la rue pour qu'ils mangent une fois à leur faim. Chers enfants, leurs mères me revaudront ça en paradis, sans compter qu'ils me rappellent la montagne quand ils chantent leurs chansons et qu'ils dansent. Il me semble toujours que je revois notre grand-père. Ici, les yeux de la paysanne sont devenus humides. Ainsi, vous êtes payés par vos souvenirs du bien que vous leur faites, ai-je repris. Oui, oui, a-t-elle dit, et aussi par leur joie, les ris de ces petits, monsieur. C'est comme un chant d'oiseau, ça vous donne de la gaieté et du courage pour vivre. » Tout en parlant, elle a coupé de nouvelles tartines et y a joint des pommes avec une poignée de noix. « Allons les chérubins, » s'est-elle écriée, « mettez ça dans vos poches pour demain. » Puis se tournant de mon côté, « Aujourd'hui je me ruine, » a-t-elle ajouté, « ben faut bien faire son carnaval. » Je m'en suis allé sans rien dire, j'étais trop touché. Enfin, je l'avais découvert, le véritable plaisir. Après avoir vu l'égoïsme de la sensualité et de la pure intelligence, je trouvais le joyeux dévouement de la bonté. Pierre, Monsieur Antoine et la mère Denis avaient fait chacun leur carnaval. Mais pour les deux premiers, ce n'était que la fête des sens ou de l'esprit, tandis que pour la troisième, c'était la fête du cœur.